Toujours à Korogo, s'est tenue récemment la troisième édition de la journée de l'emploi du Poro. Elle a permis à l'agence Emploi Jeunes du Poro de remercier et récompenser leurs partenaires, entreprises, grandes écoles et structures financières qui ont pris une part active dans le processus de l'insertion des jeunes. Indiquer le taux de présence des femmes dans le milieu professionnel, donner les raisons de l'inégalité des sexes, proposer les solutions pour arriver à une égalité de présence des hommes et des femmes dans le milieu professionnel en général et dans les secteurs des mines et les BTP en particulier. Telle est la tenue de la journée de l'emploi du Poro 2022. En présence d'un parterre de personnalités, ainsi que des étudiants des universités, des grandes écoles, des demandeurs d'emploi et des employeurs, des conférences et panels ont meublé la journée de l'emploi jeune du Poro 2022 avec pour terme promotion du genre dans le milieu professionnel. Cette rencontre m'a beaucoup permis de voir comment se passe le monde de l'emploi. Comment le monde de l'emploi se déroule? C'est un sentiment de fierté et de satisfaction. Je le dis parce que nos partenaires eux-mêmes qui étaient là, nous ont dit qu'ils sont satisfaits, ils sont fiers. Donc je ne peux que partager ces sentiments-là. Grande satisfaction. Et je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter mon collaborateur, le chef d'agence emploi jeune de Korogo. L'État de Côte d'Ivoire fait suffisamment d'efforts pour l'insertion des jeunes. Et à titre d'illustration, avec l'agence emploi jeune, les jeunes sont insérés. Nous invitons les jeunes à visiter les différentes agences d'emploi jeune pour leur insertion, qui fera le bonheur de la jeunesse. Cette belle cérémonie s'est soldée par un match de gala